plaisanterie. Mais ce n'est pas une plaisanterie, c'est une partie de boule. Moi, j'en ai connu un comme ça, que son cerveau se ramollissait. Ça se fondait tout là-dedans. Et à la fin, quand il remuait la tête pour dire non, eh bien, on entendait flic-flac, flic-flac, ça clapotait. Enfin, une supposition que le facteur rentre à l'instant dans ce bar et me dise « Monsieur César, voilà pour vous » et me remette un paquet de lettres de 3 kilos, de quoi lire toute la nuit en les relisant 3 fois chacune. Eh bien, je prendrai ce paquet, je le foutrai sous le comptoir et je ne l'ouvrirai même pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Alors Fanny, toi aussi tu as quelque chose de grave à me dire? C'est peut-être la même chose que César? Oh non, ce que je veux vous dire, César ne le sait pas. Alors ça fait 2 gravités pour aujourd'hui? C'est une journée chargée, hein? Mais bah, cette gravité, je sais ce que c'est. Ta mère t'a dit que je t'ai redemandé ce matin. Elle me l'a dit. Et tu viens me porter ta réponse. Et tu as l'air tout ennuyé. Et tu n'oses pas dire un seul mot. Ah bah, je sais bien pourquoi. Et je vais te faciliter la chose. Tu viens me dire oh non, encore une fois. Eh ben tant pis. Il faut pas te faire du moins ça pour moi. Si c'est non, c'est non. Et puis c'est non, voilà tout. Tant pis, que faire. Mais vous vous trompez, maître Panis. Je ne viens pas vous dire non. C'est un garçon! Oui. Marius ? C'est toi Marius ? Mais c'est toi ! Non, non, mais c'est Marius ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Marius ! C'est mon enfant ! Oui, c'est toi Marius ! Rentre, mon petit ! Hop ! Hop ! Hop ! C'est toi Marius ! Rentre, mon petit ! Je suis rentré cette nuit, j'ai vu mon père. Et puis j'ai eu envie de te parler. Enfin, de te dire bonsoir. Hein. Tu es seul? Oui. Je m'étais couché, mais j'ai pas pu dormir. Alors je suis parti par la fenêtre comme autrefois, hein. Comme quand j'étais un petit jeune homme. Hein. Il y a un bon moment que je te guette à travers les volets. Hein. Assieds-toi donc. Bon. Ah, tu vas bien boire un petit verre de quelque chose. Valentine. Et ton mari ne boit pas avec nous? Non. Il est couché. Ah oui? Et tu es revenu pour toujours? En principe, je dois partir demain matin. C'est-à-dire dans 2 heures. Ton bateau est revenu? Eh non, il t'a signé. Nous avons eu des avaries assez graves, alors on l'a mis en cale sèche. Puis nous avons rencontré un contre-pilleur français qui rentrait. Alors comme il y avait des appareils océanographiques à réparer, on les a mis à bord avec 3 hommes pour les convoyer. Parce que ces appareils, on ne peut pas les réparer n'importe où, tu comprends? Il faut les ramener à Paris, hein, ce qu'ils ont fait. Hein, c'est de la précision, ça. C'est scientifique. Scientifique. Un pastis terrible, quoi. Alors moi j'ai fait partie de la mission, pourquoi j'ai demandé? Je me languissais.